Et y'a plus petit peu, c'est pas qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour le défi du mortier, les gars. Le défi du mortier, donc capture un mortier, je crois que ça s'appelle, ou sauver un mortier, ou un bail dans le genre. Et donc aujourd'hui, je vais présenter pas un deck, mais je vais troll un petit peu comme chaque défi. J'ai pris le deck de mon dernier adversaire, donc on va vous montrer ça. Cette game, je l'ai fait en cours, je vais passer exprès à la lancer, donc je l'ai rage-quitte. Et voilà, donc j'ai pris son deck, on va partir en défi avec. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, à partager ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient aussi. Et puis, c'est parti. Allez, go. Le but, gagner un coffre légendaire, les gars. On espère ne pas avoir une carte qu'on a déjà max. On a bien maxé une carte que j'ai pas max. Je vais juste mettre un petit chasseur. Mettre un barbare pour aller chercher cette artificière. Je vois que ça tue mon chasseur. Ok, normalement elle prend Kaku. Blizzard qui va prendre le mortier normalement. Ok, c'est bon. Parfait. Chevalier qui va me pas protéger malheureusement. Ouais. Enfin, j'ai poison, je pense. Là, je pense que c'est une bonne occasion pour poison. Ok, je vais mettre un petit squelette géant. On va juste une petite tour à bombe. Et ok, donc lui là. Ouais, il est en train de forcer de ouf là. Vas-y, nous on va juste mettre un petit. Chasseur tranquillement. En vrai là je pense on l'a le mortier en tous les cas. Ouais, on a large. Moi la bombe qui va nous éclater notre mortier. Bon en vrai tant pis hein, mais c'est pas grave hein, mais bon on a fait pas mal de dommages, c'est cool. Là les gars, je vais m'excuser pour mon manque d'inactivité, c'est qu'en ce moment il y a les cours etc, c'est chiant. Je vais me consacrer forcément que YouTube parce que bah, je gagne pas ma vie, hein, j'ai que 300, enfin j'ai même pas 300 abos encore, donc vu qu'il y en a, ils ont 80, 100 000, ils gagnent pas leur vie, alors si j'en ai 300, voilà quoi. Ok, bon, on aura pas le mortier, c'est pas grave. Il faut très vite aller le dépop. Évidemment, le chasseur c'est con. Ok, là normalement. Ok, Mega Knight, d'accord. Vas-y, on va mettre un petit cul. Tranquillement. On va mettre un petit chevalier avec un petit électro sorcier. Tranquillement. Qui va gérer ce petit mini chevalier. On va mettre un peu de. Il y a du poison en vrai. Il y a du poison là. En vrai, je vais quand même le mettre. Hein. Ça va bien dépop. Ça va détruire l'arty. En vrai, ça nous éclate. Vas-y, on va mettre un petit cul là, tranquillement. Hop. On va téléporter, mais c'est pas trop grave. Vas-y, on va mettre un petit bâtiment là. Hop. En vrai, je pense que ça prend l'aggro de la tour du bâtiment. Avec un petit chevalier, tranquillement. Bon, là, on n'a pas encore mis le cimetière, les gars. Joue assez passif. Et un peu. On va mettre un petit chasseur. Ok, nickel. Normalement, là, on prend le bordel. Ok, on l'a. Oh non, d'accord. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Donc, là, là, on va prendre normalement de tout au bon dégâts. Je sais pas si je crois. Vas-y, je crois. Ouais, on va faire un poison de Sévalu quand même. Ça va détruire l'arty, ça détruit les Willys. Ouais, ça nous fait un poison tout au bas. Le Vidra qui va tout éclater. On va tout tour à bon. Ok, bon. Voilà, malheureusement pour avoir un mortier, ça c'est peut-être assez relou. C'est ça, en vrai, c'est pas grave si on n'a pas de mortier. Faut juste que ça le défendre. Et là, les gars, on part en cimetière tranquillement. Ah ouais, on va prendre la tour, je pense. Je pense, non, bah oui, sur ça, en vrai, je pense que j'ai bien joué. Non. Ah, le chasseur. Ah, dommage. Ah, l'article qui nous casse bien les couilles. Tant pis. Le prochain mortier, faut absolument que je joue. J'ai pas le choix de l'avoir. Si je l'ai pas, j'ai perdu. On va mettre un petit fuit à barbare. Ah, c'est bon, c'est des trucs là. Ok, bon là, on l'a. Je pense que là, c'est winner. Mais là, je vois pas trop comment on peut perdre. Non, c'est qu'il est à voir à tour. Quand qu'il le détruise, ça va être aise. Hein. On va mettre un peu de au cas où, mais. Bon, à tour, c'est la première win, les gars. Je vous l'annonce déjà. Je déteste ce défi. Vraiment, ce défi, il pue la merde. Vraiment, c'est une idée de merde. Un truc, on va lancer avec l'Arkis. Voilà. C'est cool, là, on va dans notre. Ouais, bonne ambiance. Vas-y, bah go prendre son deck. Oula. J'ai oublié ça.
bien. Alors les gars, si je vais copier plusieurs fois, chaque fois, c'est parce que des fois il y a des petits bugs et je m'inquiète pas. Alors pour cette prochaine game, les gars, tranquillement contre Madame R de Suicide Squad. Ok, je joue DDE, moi j'ai mis un électro-sorcier avec une de petite Knight. Ah, ça c'est pas cool ça. On va mettre une petite artificière. What? Vas-y, la saison nuit elle est tarpin belle. Hein. La saison nuit elle est en train d'éclater là. Oh, ok, ça m'a fait mortier. Le mortier il a mis 0 coups, c'est bon. Oh, ça me va. Hein. Voilà, normalement ça tue pas le dart. Normalement c'est une caisse les coups jusqu'au bout. Ouais, son deck il a rien pour détruire les mortiers. C'est chiant. Vas-y, c'est quoi? Je vais forcer pour l'avoir. Parce que j'ai la défense après, donc c'est... Vas-y, on va mettre masse dégâts du côté droit et du côté gauche, que du côté droit. On va mettre dans pour aller juste faire mes squelettes. Et pour jouer le D2 aussi. Du coup, c'est cool, il y a plus de D2 pour la prochain mortier. Je sais quoi, je vais quand même mettre son martyr. C'est pour qu'il meurt, ouais voilà. Parce que je pense que vous savez qu'il allait faire ça, mais là je vais mettre Knight. Il a plus d'air mais il a juste un. Je sais pas qu'il gagne entre Dart et l'ascenseur. En vrai je pense que c'est Dart quand même. Non c'est pas sur ça, ok. Bah, même si mes débats c'est un peu tard alors que pas de mentir, bah, c'est un peu tard quand même. Vas-y on l'a, on va mettre une petite voleuse. Alors les vases qui nous cassent assez les couilles parce que du coup ça détruit notre mortier, le dart aussi, le dart qui meurt, la voleuse qui dash. Ok, les ménages squelettes, c'est bon. Moi ça me va. Ok, on n'a pas encore joué ces deux cartes de merde là. Ils servent à rien dans le deck, ces deux cartes là ils servent à rien dans le deck. Vas-y, je vais mettre un électro avec les wigs. Ok, normalement là on prend forcément, même si m'énerver c'est bon, je suis parti, vas-y, c'est parti, on shoot. Ok, pas trop shoot. En vrai, c'est pas grave, ça va quand même tuer. Ah non, c'est des flèches à tout. Bon, là, on va quand même avoir ça, c'est cool. On va mettre le petit méga chevalier tranquillement pour aller dépop ça. Et la mortier qui gratte à droite et nous on gratte à gauche. Donc là, je vais mettre le mignon pour aller gérer ça. On va remettre un sous-sous électro. On va mettre un petit. Une petite voleuse. Et je joue un méga knight aussi. Ok, vas-y, hein, je suis carrément chauffe. Là t'as pas trop forcé, c'est ce qui est bien, ça c'est qu'il a pas trop forcé le monsieur là. Vas-y hein. Voilà, on spam bien là. Là mec on est des beaux spammers, on peut mettre même un squad j'ai en mid là, on a pas les couilles. Oh le. Oh le MK qui tape, c'est un scandale. Vas-y, je vais mettre dans mon squelette. Non mais ça plutôt. Normalement je prends un tour hein. C'est mortier tape en 5 secondes, c'est bon. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut avec ses fûts, mais vas-y. Hein. Hop. Ok les gars, il nous reste deux games. Il est très simple ce défi mais très très chiant, genre j'aime pas ce défi. Vas-y petit coffre, ouais bon là on a que de la merde comme d'hab. Tac bon. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais qu'un deck là. Secours. Mal aux yeux. Hein. Ouais. Ça peut être deck adapté pour le défi genre. Et vas-y, go. Pas avec les gars, on est des fous. Ah, la vidéo va être rapide. Hein. Petit fût à gobelin tranquillement. On va mettre un petit DDE. Ouais, je crois que je vais le bloquer avant qu'il va éclater le mortier. Il bloque tout un DDE. Et bon, c'est pas grave. La petite tarte. Il faudrait gérer ce PK. Mettre une armée squelette, parce que ça va pas suffire sinon, l'armée des bats pour les gérer l'électro sorcier. Il a fait un zap de merde, nous on va du coup spammer avec un fuel gobelin. Normalement le tarte qui prend l'aggro, voilà parfait, et là on va prendre énormément de dommages. Et là on peut directement remettre un dragon de l'enfer pour aller gérer ce mortier. Il va maintenant prendre la tour de droite s'il me semble, parce que je trouve que j'ai fait des dégâts à droite et pas à gauche. Et là les gars, ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre un petit tarte. Oh il va à gauche, ah, c'est chiant ça. Ok, le dart qui va aller gérer ce électro sorcier. En vrai là j'ai mis masse dégâts. Vas-y hein, je suis chaud. Ah, je sais qu'il va zap, hein. Je suis pas stupide, je sais qu'il va zap. Voilà, c'est le but. Sinon on peut continuer à spam tranquillement.
Je crois qu'il a rage quitte. Hein. Ouais, il a rage quitte le monsieur. Le monsieur a rage quitte, bah ça c'est bon. Ça, ça me va. Ça me va carrément ça qui rage quitte. Ah, ok. Il y a juste peut-être des bugs de co en fait. Mais moi ça me va. Hein. Je suis preneur. Un loader qui va gérer le PK facilement. On va mettre une arme squelette au mid en mode bas les couilles. On va prendre la tour facilement. Encore une fois, aucune difficulté sur ce joueur français. Je me demande ce qu'il fait. Vraiment, des fois je me demande ce qu'il fait. Ok, bah moi je peux clairement mettre un truc là. Donc là ce que je vais juste faire, c'est mettre des flèches. On va juste détruire le DDE. Hein. Je vois qu'il nous prend la tour. Il va pas nous prendre la tour. Donc ça c'est bon. Ok, donc là juste mettre un MK. Et là on va mettre un fuit à gobelin. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça, j'ai les oublié ça. Ok bon, faut juste pas qu'on perde deux tours. Parce que sinon on a perdu. Oh oui, oh j'ai bien pris le chouf là. Ah je me suis bien gavé là, ouais ouais, vas-y, vas-y. Faut juste qu'on prenne. Normalement c'est bon hein, mais. Ouais ouais. Normalement c'est bon. Mettre un autre petit fuit à gobelin. Là il y a un train spam, donc on va spam aussi nous aussi. Allez go, on va mettre un deuxième dart. Oh, les darts incroyables cette carte hein. Et là juste on spams un max de spams. Je vais prendre DDE. Je rigole si darts il reste en vie genre. Là je suis KO. Vas-y les gars, on a éclaté ce gars aussi qui était pas ouf. En soi il était vraiment pas ouf. Vas-y hein. On va tous cette dernière game les gars tranquillement à demi-pièce, ça fait extrêmement plaisir. Ok. Bien. Tac. Son deck il a aucun sens aussi frère. Mais c'est quoi ces decks de merde? Putain, on a joué merde à la fin. Attends, il y a une rage dedans là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il me va win? Mais je suis gagné avec ça là. Vas-y. Je suis chaud les gars, on parle dans la dernière game hein. Carrément chaud. Ok, on tape sur Pietro. Alors là, j'ai une bonne main de départ. Là, on est chaud en même temps. Ah, ils ont tous le DD, hein. C'est incroyable. Faut jouer Electro Sorcier maintenant. Hein. Pour le joueur. Vas-y, j'ai même envie de faire ça. C'est pas pour le délire. Et je vais juste bûche. Normalement, ouais, ça passe. Je vais mettre un prince. Ouais, est-ce que je mets un prince? Non, vas-y. Juste zap par contre. Hop. J'ai un zone électro. Même s'il prend le mortier, c'est pas grave en vrai. Parce que le D2 il meurt là, c'est bon. Là, le seul truc que je vais faire, à part mettre un contre-pêche du futur, c'est mettre un contre-pêche du futur. Hein. Là, je vais juste mettre une bonne rage là. Ici, je pense que c'est bien. Hop. Ah, il y a ça aussi. Là, c'est assez casse-couille ça, mais vas-y. Là, il va prendre trop cher là. Moi, je l'ai dit, il va prendre trop cher là. Ouais, là, prends ce qui tape. On a un deuxième électro sur le terrain, les gars. Non, ça va être pas au pire, comme dirait l'Hypolux. Là, je vais essayer d'aller prendre le mortier, ça serait plutôt cool. Je vais essayer de zap. Oh, non, ouais, dommage, ça c'est très HP. My bad. Bah, son deck qui pue la chaise en fait. Là, c'est pas moi qui est nul, c'est juste le deck qui est claqué au sol. Genre. Ok, bon, là, le mortier faut vite qu'il meurt. Voilà, parfait. Bon. Eh mais je sais comment défendre tous ces pushs là. Mec c'est un spammer le gars. Merde, c'est nul ce que je viens de faire, c'était nul. Même pas sur le mortier. Ouais. Vas-y, je vais mettre une bûche, mais ça sert à rien, je sais ça sert à rien. Ouais, je perds un tour quand même. Stupide. Vas-y, attends, j'ai pas encore sorti mon PK, je pense que ça va être là tout le monde avec ça. Et j'ai un deck chelou. J'ai vraiment un deck chelou. Vas-y, je vais fuir le barbare. Je vais mettre un Zapos. C'est vrai que le jambon beurre il meurt. Évidemment, il reste un HP. Donc, je mets une belle bûche. Très belle bûche, même. Et là, les gars, on a directement un deuxième PK. Et là, ça va faire mal. Et j'aurais bien voulu avoir l'électro pour protéger mon premier PK, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, là je regarde plus tard.
Là, il va falloir que je zappe, malheureusement. Il faut qu'il prenne la tour, mais ça peut être suffisant. Parce qu'il va me... Il va même pas prendre la tour. Bah, yes, hein. Cool, le jeu. Bah, son deck, il pue vraiment la merde. Et je refais que le nœud du chat. Impossible, 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 impossible. Bon, c'est pas grave, en vrai. Ok, donc il nous joue un deck aussi chelou, mais... Ouais, je tombe sur des decks, frère, aussi. Vas-y. Parce qu'il m'a gagné avec ça, avec ce deck, il n'a... Même le aucun sens a plus de sens que ce deck, quoi. Vas-y. Moi, j'ai envie de partir sur les gardes. La T2, je pense, c'est plus chine dans le deck. Dans le game de fil. On va passer sur un petit skeleton fondable tranquillement. En fait, le mortier, il est... C'est pas un bon truc, le mortier. Puis, ils me font un deck chelou, les gars, là. Et ça va me saouler, là, ce truc. Faut les héros, ils prennent la T2, ça serait cool. Vas-y, nous, on va mettre un petit cochon. On va mettre une armée. Oh, yes, la boom de skeleton qui va faire bobo. Qui va faire beaucoup bobo, même. Les trois petits squelettes, les gars, les trois petits squelettes. On n'a pas assez souvent, mais les trois petits Francis qui ont pris le mortier. On va mettre un jabombeur. Qui va éclater le sorcier normalement. Enfin, j'ai vite, très vite flèche même. C'est un peu tard, n'est-ce pas, hein. Et bah, c'est une boss qui va tuer mon mortier, mais c'est pas grave. C'était était pas insane. Bon, je vais devoir très vraiment mettre ça, plus ça, ça c'est chiant. Oh, j'étais 28 d'Elex à chaque fois là. Mais ouais, mais mec, vas-y, c'est quoi son deck de fils de... Vas-y, je me calme. Vas-y, je pars sur ce genre là, tranquillement. Normalement, ça suit. Ça suit pas. D'accord, ok. On va mettre un petit. Petite armée de squelettes. Il va encore prendre son mortier là. Putain, il casse les couilles, genre vraiment. De toute façon, mon mortier tape du côté droit, donc ça me casse les couilles. Et j'ai rien pour les rien dans ce deck. J'ai pas de mousquetaire, pas de sorcier, que dalle. Et là, je crois qu'il a raté cette idée. Merde, j'ai raté mon cochon. Bah, du coup, il a pas de cette idée. C'était une quiche comme moi, vas-y, jouer là. Ah, mais vas-y, il a un élé. Il a un électro là, non? Non mais vas-y, mes frères, il a électro et NTD, genre. Après, je vais me taper ce deck, c'est bien, mais voilà, quoi, c'est pas incroyable. Vas-y, on va mettre des Guardos. Faut gérer tout ça. Ça. Là, il va spam. Il va prendre ma tour, mais il va spam aussi. Je vais mettre des petites flèches qui vont faire du bien, les flèches, hein. On va remettre une petite TDE, une petite armée de squelettes. Il a tout pour défense, ça me casse les couilles. Genre vraiment, j'ai envie d'arrêter la vidéo là. Mec, il a spam toute la game. Bah GG, il était meilleur. Hein. Il a un scooter. Hein. Si on peut passer d'un scooter, parce que c'est deux decks qui n'ont aucun sens, mais vas-y. Ok, vas-y, bah go prendre son deck, hein. C'est une foudre aussi. En fait, c'est une condition, c'est le mortier. En vrai, c'est intelligent, mais bon. Ça me tient son esprit. Je me souviens bien, frère, mais on a pensé que c'est de la merde. Ah, ça me saoule. Vas-y, go mettre un petit DDE là. Je vais mettre un esprit de glace. Vas-y, messieurs. Vas-y, je vais battre. Je vais mettre un électron en haut pour qu'il vienne le pécanin qui ne se pas tuer. Ça, c'est bon. Boule de feu, d'accord, bien joué. Il me faut absolument le mortier, sinon j'ai perdu un parc, je sais pas, mais bon. Vas-y, je vais mettre
dès maintenant. Voilà, j'ai forcément ça, vous connaissez, hop, petit sac pousse. Voilà, on va mettre ça en mortier qui a mettre qu'un coup malheureusement je crois. Mec, il a vraiment avec des corsaires en face aussi. Normalement il passe pas, normalement j'ai gagné. N'importe qu'est-ce qu'il met au fond de terrain, je le fous. J'ai plus rien à mettre ça. Hop. Merde, je l'ai raté. Bah yes. On n'est pas trop chaud nous. Bah, il force hein. Il force, mais ça marche hein. J'ai pas d'avoir mon forcing 7000 aussi. Les gars, pour les vrais hashtag forcing hein. Ok, vas-y. Vas-y mec, une T2 en mode PLS. Comment ça passe? Petit esprit de glace tranquillement. J'ai 0 de Lex hein. L'X2, je sais pas quand il arrive, mais... Lui, il a genre 28 d'Elex, là, tout le temps. Mec, mais... Oui, j'ai l'impression tous les decks sont meilleurs que moi. J'ai jamais fait un 9, en fait. Vas-y, je vais mettre... Ah, mais merde, mais même pas. Ça sert à rien. Vas-y, hein, mais... On va remettre une T2, hein. Allez, hein. Les zaps ça par contre, parce que la MT c'est des poussements. Je le dis, là je vais mettre un Ice Spirit. S'il va zap, hein, je le connais, hein, mais je sais qu'il va zap, même pas. Vas-y, je pense, voilà. Ouais. Juste pour le fun, hop, voilà. On va tirer un DD. J'ai reçu bien les dégâts malheureusement. Ça me coûte cher, ça me coûte très cher. Ça part. On va reprendre le mortier. Cette fois on va zap ici. Et là, là on va prendre très très bon dégâts là. Il y a double T2 là frère. T'as jamais là. Ah mais deux. Vas-y. Hop, hop. Non. Faut le mortier, yes, moi. Allez, mortier tape. Oui. Oh les gars, la game incroyable. Oh la game incroyable, les gars. Normalement, j'ai juste gagné là. En vrai, j'ai bien joué à la fin, je pense. Vous avez bien surpris. Les gars, faites le pronostic dans les commentaires. Moi, je pronostique. Qu'est-ce que j'ai besoin? Une petite bûche. Allez, vas-y, c'est pas les gars, je prends un petit. Chasse ou un mineur, bûche ou mineur. Allez, bûche, 10 points de bûche. Ok, ça se passe. Moi, ça me va. Ok, les gars, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et ciao.